Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims Medieval. Sans plus attendre, lançons de nouveau la partie, mes amis. J'aime tellement cette musique. Alors, nous avons différents héros à créer encore. Mais je veux, avant de passer au prochain héros, faire une dernière quête avec Shirl Eris. L'enfant des sirènes, hein, héritier du trône. Ça, je voulais le faire. D'avoir le bon enfant. Bon, on va tenter ça. Fabriquer des héritiers. Tout à fait. Donc, on est parti. Commençons la quête. Ah oui, oula, d'accord, oui. Alors, la châtelaine Shirl Eris la Grande réfléchit à sa vie et dit « Je ne suis pas satisfaite de ma vie car je n'ai pas d'enfant digne de me succéder. » Ce jour-là, Shirl Eris jura de commencer à chercher un prétendant digne d'elle et capable de lui donner l'enfant dont elle rêvait. Mais cela ne serait pas facile. « Mais moi, je veux que tu fasses un enfant avec Aegon. Je veux que les habitants soient prêts à accepter mes avances. Je vais utiliser la table de script pour écrire mon intention de trouver un prétendant parmi eux. » What? En tout cas, t'as faim, donc tu vas demander à manger. Comment ça va le commencement? Je vais écrire une déclaration. Ouais. Écrire une déclaration. Ah, il est là, notre amoureux! Aegon-le! Cette faute de frappe. Mais casse-toi, Anaclette! Tu l'as fait. Alors, chers habitants de Shabit, j'annonce par la présente ma volonté de choisir un prétendant parmi vous. Un prétendant fertile qui détient les qualités que je souhaite pour mon enfant. Signé la châtaigne Shirl Eris la Grande. J'aime les tiares, les mannequins d'entraînement et les bains chauds. Et vous? Mais what? C'est tellement débile. Ça me fait rire. Non, mais... Bougez. Je sais plus comment on bouge. À chaque fois j'ai du mal quand je reviens sur ce jeu. Envoyez la déclaration d'intention. Alors, full de... Ah bah elle mange. Tant mieux. Voilà, excellent. Tous les habitants de Chapitre seront courants. Je dois maintenant me laver si je veux être présentable pour ma recherche d'inventaire pour être père. Mais on sait déjà qui tu vas choisir, ma cocotte. Mais... Non, parce qu'en fait, c'est vrai que... J'ai pas l'habitude. Oh, je vais y arriver. Hein. C'est les habitudes sont dures avec les Sims 4. Quand on repasse aux Sims 3, c'est... Ouch, compliqué. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait peur. Elle va sentir bon. Qu'est-ce qu'elle a? En pleine recherche. Concentration, moins 5. Manque de foi. Je sais que j'ai déjà pris un bain l'année dernière, mais je dois me rafraîchir un peu si je veux refaire. Aux... Mais what? Elle a pris un bain l'année dernière, on dirait ma collègue, vu que ma collègue elle pue. Genre elle sent le pas laver, donc moi j'ai l'impression que c'est juste qu'elle se lave pas, quoi, tout simplement. C'est difficile la vie, hein. Et hop! Ça bug, on dirait une araignée! Mais what, tous les mecs? Choisir des prétendants potentiels. Oh putain, sa mère! Mais j'espère qu'il y a Aegon le. Il y a lui! Demandez à être faute. Ah ouais! Mais non! Attends. Il y a qui? Oh la vache, tout ce qu'il y a! Je sais pas où je vais, mais j'y vais. On va aller au bateau. Si, je le vois, il y a Aegon. Attendez, elle va parler à Aegon. Ah mais oui, Aegon. Yes. Mais elle est où? Oui. Yes, il fait partie. Tu vas faire donc te demander à être prétendant. Mais non, elle lui fait un bisou sur la main. Comme c'est excitant, j'adorerais être le père de votre enfant. Voilà, c'est bon. Elle a choisi. Non, quoi. Oh, mais la vache, tout ce qu'il y a. Elle a de la chance. Oh,
Anaclette? Ah, putain, mais tous les mâles en fait. C'est parfait. C'est parfait. On peut aller le voir. Ah, bien. C'est qui? C'est celui-là? Ah, c'est son escuyer. La meilleure relation. Ah bah oui. Bah ouais, mais avec Aegon, pardon, elle s'entend super bien avec, donc. Donc, ok. Bah non, mais. Tu vas déjà faire des mamours, hein. Romantique. Accorder la faveur. Oh, c'est excitant tout ça. Nous allons avoir bientôt un enfant. Avec Aegon le. Putain, mais regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 avec Aegon. Non, mais. Elle a du succès, hein. On va choisir ceux qui sont. Putain. Déjà, tu peux aller là. Ce sera déjà ça te fait. On va demander à ceux qu'on connaît déjà. Hein. On va pas aller plus loin. Anaclet. Hop. Et lui. Je sais plus. Armon, le grand constructeur. Ok. Oh, non. Oh, je crois que vous allez me choisir. Je peux vous faire passer de très bons moments. Bah, voyons. C'est bon, tu as demandé. Non, bon. Mais nous, on veut lui, hein. De toute façon, il est vieux, lui. Vous avez bien fait de penser à moi, Votre Majesté. J'ai un sang très pur, vous savez. Il est arrivé beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai envie d'écrire un message dans mon journal à ce sujet. Écrire dans votre. La table de script, d'accord. Je me suis dit, il y a encore des journaux, là. Je ne connais pas. Très bien, ben. Écrire le message. Bon, elle va faire ça. Cher journal, j'ai choisi des hommes formidables comme prétendants potentiels. Cependant, je réalise que je ne sais pas comment faire. En choisir un seul n'est pas facile. Comment savoir qui sera le meilleur choix? Félicitations, niveau 9, souverain, génial. Est-ce qu'il y a 10 niveaux? Je ne sais pas du tout. Ok. Intriguée, baignée, victoire. Elle va surtout faire ses trucs, rédiger un traité de paix. Bon, elle y est, donc elle va le faire. Voilà, on va faire ses obligations, sinon on est mal barré. Et elle doit se renseigner auprès de la vie. Bah tiens, toi. Discuter. Se renseigner sur la vie à Chabit. Amical, discuter. Amical, discuter. Mais pourquoi vous vous barrez tous? Oh, toi tu pues, vieux. Ah. Oh, il y en a un qui a pété, j'ai eu le temps d'entendre hein, les gens. Oh. Vas-y, demande. C'est bon, ses responsabilités sont respectées. Théophane le bouffon, aveuglé par l'orgueil. Alors, que recherche-t-elle les valeurs? Je préfère un partenaire ayant la force et de l'agressivité. J'ai toujours rêvé d'un partenaire capable d'humour et de gentillesse. En vrai, l'humour et la gentillesse, mais s'il faut qu'on choisisse Aegon, je sais pas. On va voir. Hein. L'humour et la gentillesse sont primordiaux lorsque le destin d'une civilisation entière peut reposer un jour entre vos mains. Je dois d'abord demander une blague à chaque prétendant. Très bien. Demandez une blague. Vas-y. Oula. Alors, donc, on va voir les blagues. Combien faut-il de Jacobans pour allumer une lanterne? Pourquoi se contenter de mettre le feu à une mèche alors qu'il y a une chapelle pélétérienne juste à côté? Oui, d'accord. C'est nul. C'est nul! On va demander à Anaclette. Après tout, Anaclette, il est pas. Enfin, ils sont pas trop ce là, c'est aux autres, donc. Alors, Anaclette, fais-nous rire. Enfin, si, t'es un peu dégueulasse. J'ai la clé de votre ceinture de chasteté et vous avez celle de mon cœur. Oh! Cela fait un peu formule de séduction, mais c'est la vérité. Vous êtes adorable. Mais c'est pas une blague. Mec, t'es pas adorable. Adorable, c'est pas drôle. On va demander à Aegon. Putain, mais il y en a qui pètent dans le coin, mais laisse tomber. Elle est où? Où es-tu? Mais c'est pas Aegon, ça! C'est Oberon! Ah non, d'accord.
Il est là, Aegon. C'est lui qu'on veut, nous. En tout cas, il rigole, hein, pour une fois. Vous vous êtes coupé la cuisse sur un pot de chambre? Ça puire. D'accord, je sais pas. C'est nul. Alors, donner une accolade. Une accolade amicale royale. Un père doit être gentil. Amicale royale. Amicale. Souverain. Romantique. Non, méchant, je voulais. Romantique. Quoi? Un père doit être gentil et compatissant. Je verrai ce que valent mes prétendants en leur donnant une accolade amicale. Bien sûr, je devrais d'abord arriver à l'étape des accolades amicales. Ah! Donc c'est dans amical. Oui, bah on est pourtant on est amoureux, mais on n'y est pas encore. Ah si, ça y est, ça marche. Rire, vraiment drôle, effectivement. Elle a quand même rigolé seulement à la blague de Aegon. Moi, je vous le dis, il est fait pour elle. Rire, vraiment drôle, effectivement. Et maintenant, je dois tester leur gentillesse pour se faire quel meilleur moyen d'une accolade royale. Je sens encore très bon grâce à mon vin. Ah! Oh, c'est mignon, il est bienveillant. Ah, votre étreinte est si douce, madame. Si j'ai la chance de vous étreindre tous les jours, je serai heureux d'être le père de votre enfant. Oh, c'est trop mignon! Ah, mais en plus, ils ont déjà dormi ensemble, alors bon, j'ai envie de dire. Les accolades, ils l'ont faite dans la nuit, hein. Vraiment, c'est ainsi que vous jugez les gens? C'est totalement absurde. Si vous voulez mon avis, je préfère juger les autres au poids de leur porte-monnaie. Bon, ben voilà, comme ça sera pas lui. Hein? On va pas se leurrer. Tout simplement délicieux, Charleris, pourrais-je suggérer quelque chose d'un peu plus romantique? Ben voyons. Utilisateur de scribe. Elle a encore faim, la vache! Allez, rentre à la braque. Comme c'est intéressant, je dois écrire mes pensées. Bah, il y en a un, c'est sûr, il va pas être dans le lot. Hein. Et le plus mignon, c'était quand même Aegon. Hein. Ouais, franchement, même si je voulais pas. C'est bon ça? Non. Tu vas. Alors. Tu vas appeler. Elle est où? Là. Tu vas appeler pour manger et tu vas écrire ton message. Alors. Cher journal, j'ai été surprise, touchée et parfois même un peu consternée par mes prétendants. Néanmoins, j'ai fait mon choix. Mais comment le lui annoncer? Dois-je rester distante et m'en tenir aux choses pratiques? Ou ai-je envie d'une relation pleine d'amour? Nah, tu veux de l'amour? Tu l'as déjà, l'amour. Amore, l'amore. Votre avis, hein. Il est 23h, de toute façon, elle va manger. Elle va se reposer là-dessus. Châtaigne, doit ouvrir son cœur ou entretenir une relation strictement pratique. Occupons-nous de ce qui nous attend. J'irai pas forcément dans une relation plus intime. Ah bah oui, toi. Je ne peux pas avoir d'enfant respectable s'il ne naît pas d'un amour chaleureux. Je vais écrire une lettre au prétendant que j'ai choisi, l'élu de mon cœur, ma petite colombe. Oh, c'est trop mignon! Alors, elle va écrire. Écrire une lettre d'amour. Vas-y. Maintenant, apportons cette lettre au prétendant que j'ai choisi, mon futur grand amour. Ouais, hé! Donnez la lettre d'amour. Oui, oui, oui! Je veux pas louper ça, donc je vais la faire aller vite, mais. Je voudrais pas. Il est là-bas. J'espère que ça. Ils vont pas me faire un coup de pute, genre ouais, finalement, ça marche pas, je sais pas quoi. Alors. Je suis prête. I am ready to prendre les photos parce qu'ils sont amoureux, les deux petits. Ils vont faire des enfants. Ils vont faire des enfants. Oh, mon cœur déborde de joie. Vous m'avez choisi, eux. Petite faute. Et maintenant, quelle vertu recherchez-vous pour votre futur enfant? Ben... Alors, où la châtelaine Charleris la Grande doit-elle commencer par chercher les vertus de son enfant?
La force physique est une belle vertu à transmettre à un enfant. L'empathie est une vertu essentielle pour tout héritier de la couronne. L'empathie. Ouais. Je vais tenter d'obtenir une vertu en étant compatissant. Quel meilleur moyen de faire que des excuses sincères? C'est une bonne question. Je vais bien sûr chercher des vertus pour l'enfant. En fait, devrais partir à la recherche très bientôt. C'est très bizarre. Commencez un conflit avec quelqu'un, puis montrez-vous amical en vous excusant. Tiens, toi. Traité de stupide sanglier. Espèce de débile! Ah, c'est son escuyer à Aegon en plus, à Aegon le. S'excuser. Grofel Efiob. Shrevin. Discuter. Je sens que la vertu dans mes. Je sens la vertu dans mes conduits lacrymaux, j'ai obtenu de la vertu. La vertu de la compassion. Mais what? J'ai une vertu, mais il m'en faut deux autres. Où aller maintenant? Mais c'est Nawak, hein. Où la chatte est allée à chercher sa deuxième vertu pour son enfant. Cette grotte profonde doit renfermer des vertus cachées. On retrouve sûrement des vertus du peuple dans l'agitation de la ville. Ouais. Je vais me rendre dans un village lointain près des montagnes. Il est rempli de marchands honnêtes tout autant que de charlatans. Si je trouve les bons, je trouverai peut-être une vertu. Bon, en attendant, il est quand même tard, ma cocotte, tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Ouais, tu vas aller dormir. S'endormir. Allez, go. Bonne nuit, Charleris. Des bruits de pas mystérieux tirèrent doucement chez la châtelaine Charleris, la grande, de son sommeil. La panique l'envahit soudain. Il y avait une présence dans sa chambre, allongée dans un silence total. Charleris réfléchit rapidement à ses options. Mais ça, on l'a déjà eu, hein. On va ouvrir les yeux. Voilà, aux ouvrir la main. Tesca. C'est un battement d'aile. Un truc qui appartient à Claire. C'était un rêve. Ok! Voilà. On demandait à manger, on va se requinquer. Voilà. Tu sais ce que tu veux. Mais va faire à bouffer, toi. Tu vas te refaire une beauté, tu vas prendre un bain, tiens. Tu sentiras bon. Ah bah elle mange, parfait. Alors, du coup, on doit aller au village lointain. Village lointain. Village lointain. Est-ce que le village lointain, c'est là? Chercher une vertu au village. Oui, bah, c'était ça. Ok. Ah bah, allons-y, allons-y. Wow, on n'ira pas plus loin. C'est bizarre d'aller chercher des vertus au village, mais bon. Cette ville n'est pas remplie de charlatans, mais plutôt de personnages intéressants. Il y a beaucoup de bonnes affaires à réaliser, mais aussi d'amitiés alliées. D'accord. Maintenant que j'ai passé du temps avec des gens du village, je comprends mieux. Ils sont profondément altruistes. J'ai obtenu la vertu de la générosité. Oh, voilà, deux vertus, je devrais me reposer. Je devrais me reposer et rendre visite à mon prétendant où il va m'oublier. Ensuite, je chercherai la dernière vertu en me mêlant au peuple. Bah, ça va, hein, t'es pas si fatigué que ça, cocotte. Hein. Alors, l'esprit renferme toutes les vertus, donc l'âme contient les plus pures des vertus. Alors là. On a la générosité et la compassion. L'intelligence. Allez, j'espère que c'est ça. Je vais sonder l'esprit des gens pour trouver une dernière vertu dont je pourrais ramener avec moi pour mon enfant. Demander au peuple de la sagesse et des connaissances. Ok, bon, bah, elle va pas avoir à demander à... Ça, c'est des gamins. Ouais, bah, la sagesse et les connaissances des gamins, je suis pas sûre que ça fonctionne des massins. Personnellement, on peut rien faire dans les grottes. Ça, on peut pas y aller quand on veut. Qu'est-ce que ça veut dire, toi? La vieille fille. Allez, tu vas demander ça à la vieille fille. Celle qui ne regarde pas dans la fosse du jugement ne risque pas d'y tomber, mais elle ne s'enrichit pas non plus des connaissances qu'elle renferme. Mm-hmm. D'accord. Où est-ce qu'on pourrait aller?
lui. Non, ça c'est Armand, donc lui, on l'a évincé. Anaclette. Alphaïde la Plouc. Gentil Louis et Chimène. On va demander à Gentil Louis. Peut-être qu'il va... y aura des trucs sympas à nous dire. Alors, Gentil Louis, qu'est-ce que tu as à nous apprendre comme vertu? Ne portez pas votre armure au lit, sauf si vous dormez dans le refuge de dragon. Alors là, franchement, qu'est-ce que t'as vu qui te choque? Toi, t'es qui, toi? Euric le Chapelier. Non, bah non. Non, non, on va aller. On va aller voir notre prétendant d'amour. Qui est. J'ai arrivé à me diriger. On va aller là. Entrée. Voilà. On va aller faire des bisous à notre prétendant. Il est pas là. Il est pas là. Il va t'entraîner un peu. T'es qui toi? Valentine, sa domestique. Allez, va demander à ta domestique si elle a une pensée profonde, mais ça me donnerait, mais bon. Co-selmesh. Nouvelle suivante. La forteresse des opportunités ne va pas s'ouvrir toute seule. Vous devez l'ouvrir, oui, vous, cher Léris. Okay, elle doit écrire dans son journal. Je comprends maintenant beaucoup de paroles sages. J'ai gagné la vertu de la connaissance. Maintenant que j'ai récupéré les trois vertus pour mon enfant, je devrais écrire mes pensées. Bah, go maison alors. Go maison, go maison. Maintenant, tu es à la maison, mais et tu vas écrire dans ton journal. Cher journal, quelle aventure! J'ai non seulement récupéré trois vertus que je veux transmettre à mon enfant, mais aussi j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'admets que j'ai peur de ne pas réussir à concevoir l'enfant désiré, ou un enfant tout court d'ailleurs. Et si le fourreau ne pouvait pas contenir l'épée? T'inquiète! Ah! Embrassez votre prétendant pour lui dire au revoir. Comment? Je dois me préparer pour un rituel de fertilité. J'enverrai mon prétendant dans la forêt pendant que j'irai récupérer du vin de fertilité. Oh! Pas trop vite, hein. Je suis au taquet, mais quand même. Il est encore au puits? Mais qu'est-ce qu'il fout au puits tout le temps, ce mec? Tu parles à qui, là? Tu dragues? Wesh. Effiflafrorum. Non! Non! Elle a déjà fait son bisou. Oh, mais bonjour, chérie, je vous attendrai dans la forêt. Apportez le vin de fertilité à la grenade, d'accord? Bien sûr, maintenant je vais partir chercher cela en bateau. Oh, tu vas lui faire un. Sans trop chaud! Ils sont contents. Ils sont très contents. Ils sont très très contents. Donc nous, notre mission, c'est d'aller faire un tour de bateau. Oh, mince! J'ai oublié. Non. Non, rentre à la maison. J'ai oublié, vu qu'il y a une nuit qui est passée, qu'on a des obligations. Oh, la chiotte! Rédiger deux nouvelles lois. Putain. Vous venez de terminer juste à temps pour 5 points de réussite au niveau observateur. Juste à temps à accomplir une responsabilité en moins de 15 minutes. Et faire passer un edit. Ça me j'essaie de faire. Alors, faire passer un edit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire passer un edit. C'est ça? Je sais pas. C'est quoi? Faire passer un édit. Ben non. Qu'est-ce que c'est encore faire passer un édit? Ben, je sais pas. Faire passer un édit. Moi non, moi non, moi ne sais pas. Bah tant pis, on va aller à la plage et puis elle perdra un truc de.
Voilà, hein, de ses obligations, tant pis, hein. Qu'est-ce que je le dise, moi. Alors, le bateau est là. Allez sur les quais. Oui. Tu vas aller là, voilà, tu vas aller là. Partir à l'aventure, se procurer à Profilia. Allez, c'est parti. Serais-je capable de boire le vin? Cela m'aiderait-il? J'ai du mal à ne pas me sentir stressant, sachant que je devrais... Enfin bref, j'espère que tout va bien se passer. Wow, ce bateau tangue énormément. J'ai le vin! C'est une grande bouteille à la hauteur d'un roi ou d'une reine, j'imagine. Et regardez une baleine qui attend des petits. Je crois qu'elle m'a souri. Oh, c'est mignon! La croisière des côtes pittoresques de Chabit fut aussi agréable pour les marins que pour les passagers. Une petite brise soufflait. Le soleil brillait à l'horizon. Je dois maintenant aller dans la forêt rejoindre mon prétendant pour le grand rite de fertilité. Oh, la coquine! Par contre, elle a la dalle. Donc, tu vas rentrer. On va manger. Comment ça? Ma domestique, elle est pas là. Non, mais dis donc. On va nous faire à manger nous-mêmes. Une soupe d'ours. Oh, c'est dégueulasse. Voilà, t'es requinqué. Hein, il est 3h du matin. Responsabilité négligée. Bah oui, mais je sais pas comment on faisait un édit. Faire le rite sensuel de fertilité dans la forêt. Oh. Moi, je vous dis, ça va être sexy. Hein. Ça va être la sensualité. Qu'est-ce qu'elle veut, hein? T'arrêtes de te plaindre, cocotte. Tu vas aller partir à l'aventure, chasser. Effectuer le rite de sensualité de... fertilité. Bonjour, Chorleris. Ce que vous avez amené a l'air parfait. Les meilleures vertus dont un héritier de trône puisse avoir besoin. Oh, quel gros pichet de vin de fertilité. Vous l'avez pris à la grenade? Comme je l'avais demandé, devons-nous tout boire? Cela ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Il faut être bourré. Ainsi commença le rituel de fertilité. Ah, ils sont tout nus, c'est trop chou, il va être bourré. Le pique-nique bourré, quoi. Magnifique. Même le vent silencieux a ignoré ce que l'avenir réservait au couple. Vous croyez que l'observateur de la fertilité nous voit danser? Je l'espère. Hé, fermez les yeux pour cette étape, ne me regardez pas. Je vous promets de vous prévenir si vous allez danser dans un arbre. What? C'était parfait. Ah mais il est où? Il est reparti. Je me sens extrêmement fertile, il est temps d'avoir un enfant. Comment cela affectera-t-il ma relation avec mon prétendant? Ouf, 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 qu'est-ce qu'il a? Épouser le prétendant. Oh, je ne trouve pas ça convenable d'avoir un enfant en mariage, quelles que soient les circonstances. Je ne peux pas prévoir ce que je ferai ensuite, mais pour l'instant, nous devrions nous marier. C'est trop mignon. Du coup, on doit... Souverain. Amical. Oui, bah écoute, oui, tu vas... Oh, les bruits qu'elle me fait. Alors, embrasser pour dire au revoir, bah non. Tu vas être romantique... C'est ça, c'est accorder la faveur. Je suis pas très sûre. Oh, la relation, elle est au top. Hein. Voilà. C'est une drôle façon de se rouler des pelles, mais oui. Épouser le prétendant. Oui. Mais où? Comment? Freffin, Slaffin Chesnick. D'accord. Mais maintenant, on peut pas te... Je sais pas, moi, comment on fait. Prononcer la dévotion éternelle. Ouais, c'est peut-être ça, hein.
Cocotte! Va le choper! Pourquoi il s'en va? Comme ça, dans la nature. Tu sais, elle non plus, elle a pas dormi, hein. Demandez l'autorisation de courtiser. C'est trop tard, hein. Souverain. Mais non, mais je vois pas où on fait pour se marier. Hein. C'est mignon. Bon, rentre à la maison parce que là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut rentrer. Est-ce qu'il y a peut-être un truc à faire ici? Moi, je sais pas. Je sais pas. Encore une fois, on est bloqué. Ça m'énerve. Bah non, mais là, je vois pas. Accorder la faveur. Non, je vois pas. Non, mais meuf, allez, c'est pas grave. Tu vas être couchée parce que là, ça va pas être possible. Allez, hop, au lit. Elle a de nouvelles responsabilités. Donc c'est parfait. Mon cher Léry, ça y est quand même midi. Tu vas te lever. Espèce de feignasse. Tu vas manger. Allez. Voilà. Bon. On va... Appelle-le, tiens. Ah, il est là! Il est là! Merde! Je me suis fait courir! Il est là! Alors. Courtiser. Je sais pas, on va essayer plein de trucs, hein. Embrasser passionnément. Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Faire crac crac. Susurrer des mots doux. Ah, mais en fait, c'est... Demander la main. On a gagné. Oh, ils sont trop mignons. Regardez-moi ça. Je suis trop fan de Game of Thrones, moi. C'est qu'il est black en fait. C'est marrant. Je m'en fous. Je pense que c'est ça. Hein. Ah, finalement, fallait faire plein de. Allez, gonle. Après, faut faire crac-crac et faire un bébé, hein, surtout. C'est vrai que de toute façon, j'avais pas encore le crac-crac. Mais crac crac, ça fait automatiquement bébé dans les Sims médiévales ou est-ce que je peux avoir la... Ah! Mais que ça tous voit. Voilà. Ah, c'est trop mignon! On va jouer sur un mariage. Non, félicitations, Charles et Saigon viennent de se fiancer. Ils peuvent désormais se marier dans une église à condition... d'être des fidèles ou partout dans le royaume. Ah bah, j'ai pas d'église, moi. Épouser le prétendant. Bon, on va l'épouser maintenant. Hein. C'est marié. C'est marié ici. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'église, c'est bien ce que je disais. Ok, bah c'est bon. On va y arriver, finalement. Alors? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu qu'il a crié genre oh.
Tu te maries? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a un truc autour et qu'il y a tous ces gens? Vous pouvez vous marier ou pas? Oula, il n'y a rien là! Pourquoi? C'est bugué? Mais pourquoi ils sont choqués quand ils voient... je sais pas, il n'y a personne. Ah, ils attendaient le prêtre! Oh, c'est trop chou! Excusez-moi, mais... C'est la première fois que je fais un mariage en Sims médiéval, hein. Vas-y, passez devant mon objectif aussi, hein. Une paparazzi, je suis. Et l'autre, il est bloqué. Ah, c'est trop mignon. Où voulez-vous vivre? On a sorti du trône, hein. Oh non. Ah, il s'envole. Mais what? Alors, oui, il est temps d'avoir un enfant. Son sexe est-il important pour moi? Ai-je envie d'un prince ou une princesse? Deux héros, la châtaigne à Aegon, le chevalier capitaine, viennent de se marier et ont reçu un cadeau. Félicitations. Alors, j'ai avant d'elle l'importance au sexe de son enfant. Oui, bien sûr que son sexe est important à mes yeux. Non, je serais d'avoir heureuse que... Bah, on s'en fout, hein. N'a pas d'importance, observateur à un plan et je m'y conformerai. Maintenant, faisons quelques préparatifs avant la conception de l'enfant. Encore? Oh mais... Et ils sont graves! Prévoir une stratégie de procréation sur la carte tactique. Ils sont graves. Vous êtes graves, les Sims. Je vais la serrer là. Allez, vas-y. On va faire un truc tactique. Élaborer une stratégie de procréation. Ah, c'était là, propose un edit. Oh, chute de flûte. Alors, j'ai remporté une belle victoire. J'ai tout préparé, maintenant, il est temps de mettre au monde l'enfant qui me succédera. Ouh, croc, croc. Excusez-moi, ça me fait du... Ah non, mais il est où, mon prétendant? Amour de ma vie. Mince. Mais le gars, il s'est paré! Dites pas qu'il est encore au puits. Qu'est-ce que tu fous là, mec? Mais... Aegon! Romantique. Tu vas l'embrasser et vous allez faire crac-crac quand même, non? Merci de m'avoir reçu, je dois y aller à maintenant. Adieu, d'accord. Pourquoi il y a ça? Parce que c'est responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il fait cet idiot? Bon bah écoutez, on va faire crac crac. Rédiger un traité de paix. Tu vas rentrer à la maison, on va faire les traités de paix. Alors, traité de paix, voilà. Ça c'est fait et elle doit aller chasser. Et tuer un ours géant. Bah bien sûr, bah oui. Allez à cet endroit, allez. Ah non mais c'est chiant, on peut même pas baiser tranquille quoi. T'as le droit de rigoler, vu que je rigole déjà. Chasser l'ours géant. Allez, on est parti dans la jolie petite forêt. Charleré suivit un ours noir dans la forêt jusqu'à son terrain de chasse. Le prenant surprise, manque un mot, elle réussit à l'aide d'une seule flèche à l'abattre l'amateur de miel. Elle découpe ensuite 4 morceaux de choix sur la carcasse de l'animal. C'est strictement dégueulasse. Rentre à la maison. On va rentrer à la maison, on va y play Aegon. T'as faim, tu vas demander pour manger. Tu vas appeler Aegon tout de suite. Tu peux lui demander de venir? Bah, à un moment donné. Y'a pas un...
Elle va tomber dans les pommes avant quoi. Ah, je me fais agresser, mais c'est chiant. Tu t'es... C'est quoi ces voyous à chaque fois, Liliane? Lui aussi va se faire choper? Même pas. Bon, Charleris. Charleris. Mais rentre! Allez! Je croyais que t'avais compris qu'il fallait que tu manges là. Allez! Oh là là, je vous jure, hein! Non. C'est là. Il y a plein. Mais. Qui c'est qui a piqué notre bouffe? Bah oui, bah elle était pas là, évidemment. Ah, mais on peut refaire crac-crac, du coup, tout simplement. Romantique, caresser la joue et romantique, faire crac-crac. Parce que là, ça commence à bien faire. On a envie de baiser, nous. On est mariés, et maintenant consommons notre mariage. Voyons, faisons un enfant. Voilà. Oui. Allez, c'est parti mon kiki. Le lit, il est dégueulasse. C'est mignon tous les trucs. Hein. Ah bah dis donc, c'était rapide. Hein. Ça c'est plus bon. Attendez. Y a-t-il quelque chose de mieux sur Terre? Bah, je pense pas, non. Nous ne saurons pas si cela marchait avant un petit moment. Devrions continuer à faire craca jusqu'à ce que nous ayons un enfant. Juste pour être sûr d'en avoir un, bien entendu. Oh ben oui! Ah bah ça, mon petit Aegon, je suis d'accord avec toi. Mais il est où? Ouais, avoir un bébé, ok. Mais il est où, Aegon? Amour de ma vie! Oui, c'est pareil. Je sais pas où il est. Shirley et Rhys, je vais la faire dormir. Ah bah non, ça va, elle avait pas trop faim. Je vais la faire dormir un peu. Quand même. Bon, il y a 9h, on a eu nos responsabilités. Écoutez 3 pétitions et rédiger de nouvelles lois. D'accord. Tu vas te lever? Vas-y. Appel pour faire à manger. Tac tac tac, tu vas rédiger une nouvelle loi. Ça, c'est fait. Où est notre mari? Comment on sait où il est? Il n'y a plus de trucs. Avoir un bébé, bah oui, mais bon. Faudrait que notre mari il soit là, quoi. T'as mangé? Eh ben c'est parfait. Tu vas manger. J'aimerais juste remettre ça. Avec... Bah non, mais là, ça va être compliqué, hein, si on sait pas où il est. On va aller voir à la caserne. Mais je... C'est ce que bon, une fois c'est bien, mais plus on multiplie les chances, mieux c'est quand même, non? Mais on sait pas où il est? Mais pourquoi? Mais comment? Il est encore au puits, de toute façon, j'imagine. Il passe son temps au puits, ce mec. Attendez. Tu vas venir ici. On va aller avec elle. Comme ça, au moins, on voit tout. Faire un vœu. Faire un gros vœu. Vas-y. Le vœu de Châtelaine, c'est la grande. Et rester l'être morte, je ne sais pas. C'est sympa. Merci.
Où est mon mari? Oh, secours! Où est mon mari? Je ne le trouve pas. Oui, je l'ai trouvé! Oh la vache! Embrasser, romantique, et jouer la sérénade, et romantique. Bah oui, mais non, mais on peut plus refaire crac-crac avec lui! Mais il faudrait qu'on revienne. Tu viens avec moi au château? Je comprends pas, hein. Il n'y a pas de lit assez grand dans les environs pour faire crac-crac, ok. Allez, rentre à la maison. Il va peut-être te suivre ou pas. Je sais pas. Ah ouais, mais bon, s'il faut attendre qu'il passe, moi je sais pas quoi. À un moment donné. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle étreint machin? Bon, en gros, on sait pas quoi. Elle est peut-être enceinte, elle l'est peut-être pas. Et avec son autre mari, écoutez trois pétitions. Bon. Alors, adresser une pétition à ma majesté. J'aimerais ouvrir une confiserie dans le village. La couronne accepterait-elle de financer mon projet? Je pense qu'il rapportera la joie à ce royaume qui en a bien besoin. Confiserie? Mes frères, ouais, elle va financer. Alors, votre régénérescence est légendaire, oui. Votre Altesse, j'ai bien peu d'argent et pour seule possession un luth de paysan. Je ne vis que des dons des habitants généreux et les représentations que je fais pour les enfants. Mais à présent, je dois verser 3 centimes plus si je ne veux pas perdre ma maison. Ayez pitié, voilà une personne dont la musique est appréciée par la communauté. Ça ne donnerait pas une bonne image de la souveraineté si je laissais un artiste populaire se retrouver à la rue et mendier. Pas de pitié, le château ne peut pas dépenser de grosses sommes si l'argent pour chaque personne triste du royaume. Si je donne l'argent maintenant, on finit seul. Ouais, je vais être gentille aujourd'hui. Soutien au souverain, Gersen, décide votre. Maximiser la popularité. Ah, j'ai la popularité au max, c'est cool. Je ne sais pas quoi dire face à tant de générosité, votre majesté. Allez, encore une petite pétition. Adressez-la. Alors, votre Altesse, les marchands signalent que notre route de commerce principale a été attaquée par une horrible baleine. Nous devons financer une expédition pour la trouver et l'oxyr de... avec le harpon béni. Détruire la baleine, et c'est intolérable, cette baleine doit être arrêtée. Une baleine, une baliverne. Il n'y a pas d'horrible baleine, donc je ne gaspillerai pas les ressources pour chasser une stupide superstition de marchands. Ah, bien sûr, Majesté, c'est sûrement un autre monstre marin mort-vivant que les marchands ont pris pour une horrible baleine. Allez, ouf, t'as fait tes tâches. Je ferais bien crac-crac, mais bon, notre mari est abonné, aux abonnés absents, quoi. Je sais pas où il est. On peut pas l'appeler. Il vit pas avec nous, donc on peut pas... Voilà, hein, voilà. On peut pas savoir si elle est enceinte, d'ailleurs. Jolie décoration, du travail bien fait, jeune marié. Fertilité exacerbée. Bah oui, mais bon, on peut pas faire crac-crac, là. Je suis un peu dans la déception. Mais va te laver, toi! Non, bah, je sais pas. Parce que moi, j'irais bien faire crac-crac encore avec mon mari, mais bon. Je ne sais pas où il est. Peut-être retournons-nous dans la caserne. Où il n'y est pas, bien sûr. On va t'entraîner. T'es pas encore enceinte, hein. On sait comment d'ailleurs si t'es enceinte, on sait pas. Ma moitié. Que serais-je sans vous? Ah! Il est là? Mais non, c'est l'écuyer. Bah, moi je sais pas.
Il est pas là, bah on rentre à la maison. Où es-tu? Il est là! Oh, punaise! Mais pourquoi on n'a pas tout de suite le truc là? Ne te barre pas, Aegon! On a baisé qu'une fois, tu te fous de ma gueule, hein, mec. La fertilité exacerbée. Là, il faut que on. Voilà. Faire crac-crac. Ouais, faire crac-crac. Faire crac-crac. Allez! Mais ou quoi? Mais viens! Mais si, il y a des liens! Je suis désespérée! On va jamais avoir d'enfant! Ah, ça y est! Oh la vache! Faire crac-crac, allez! Allez! Ah non, mais là. Hop! Non, 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 tu restes là. Tu restes là. Ha ha ha, Wibram! Tu restes là. Tu restes là. Voilà. Mais pourquoi on n'a pas toujours le faire crac-crac, c'est chiant. Partie. Bon, elle va demander à manger. Putain, mais cette boniche, elle est jamais là quand on a. Non, 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 tu dors pas, tu fous, tu fous. Soupe d'ours, allez, souffle. Elle mange. Elle est fatiguée. Donc elle va s'endormir. Et moi, je vais vous quitter là-dessus. Donc la prochaine fois, on aura la surprise de voir ou pas si on a réussi à concevoir avec Aegon, notre héritier. Ça pue, hein? Bah ouais, bah ta boniche, elle nettoie pas. Alors qu'est-ce que je te dis? Elle s'amuse beaucoup, bah tu m'étonnes. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à laisser un message, un commentaire, un like et un abonnement, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt pour la suite des Sims médiévales ou d'autres choses. Allez, salut!